Waouh, il fait chaud. Nous voilà partis. Nous sommes vendredi 22 juillet. Bonne journée à tous. Ain't no sunshine when she's gone. It's not warm when she's away. Ain't no sunshine when she's gone. She's always gone too long. Anytime she goes away. Wonder this time where she's gone. Wonder if she's gonna stay. Ain't no sunshine when she's gone. Only darkness every day. Ain't no sunshine when she's gone. And this house just ain't no home. Anytime she goes away. Anytime. Ici, resto de Régua. Situation par rapport au Douro. La région du Douro offre une géomorphologie particulière. Ces formations rocheuses remontent à des millions d'années. Ce sont le schiste et la groaque qui prédominent sur ce territoire, présentant différents niveaux de dureté et de structure. Signalons l'importance du massif granitique de Carazeda de Ancienge dans la région de Valera. Observez la sorte d'île de schiste que forme la démarcation, flanquée de montagnes, comme celle du Marao et du Monte Muro, et bordée de terrains granitiques et sableux. Les sols de schiste sont en effet des plus favorables à la production de vin. Et plus ils sont caillouteux, meilleures sont les conditions de développement de la vigne. Un n'a pas uniquement tiré profit de ses ressources pour l'agriculture. Il a également utilisé le schiste dans la construction de maisons et autres éléments architecturaux. Et il y a gravé ses dévotions et sa relation avec l'environnement grâce à une expression artistique unique dont la rupestre de la vallée de la rivière Coa est un exemple. Ah, mais c'est bien intéressant tout ça. Mais je pense que je vais vous raconter la suite à ma façon. Au Moyen-Âge, les exploitations des vignobles appartiennent à des grandes familles de nobles et aux ordres religieux. Au XVIIe siècle, favorisé par les guerres entre la France et l'Angleterre, l'exploitation vers l'Angleterre s'amplifie, faisant du Porto le vin des Anglais. En ce qui concerne la délimitation des vignobles du Douro, c'est en 1756 qu'un décret royal réglemente la production, le transport et le commerce. C'est une première au monde. 135 bornes en granit délimitent cette région de vignobles. Depuis le XVIIIe siècle à nos jours, les bords du Douro ont subi des transformations par les mains de l'homme pour transformer et améliorer les exploitations. Ceux-ci sont tellement devenus beaux qu'ils sont d'ailleurs classés au patrimoine de l'UNESCO.
regardez-moi ça. Un mur des arômes de Porto. Je ne peux pas vous faire parvenir tous ces arômes. Tout ce que je peux vous dire, c'est que je me suis bien amusée à les sentir. La fabrication des étiquettes. Mais que choisir? Est-ce un bon choix? Je vais répondre et puis je te dirai. D'accord. Après la visite du musée, ça s'est posé. À votre santé. À la vôtre. Il n'est pas comme celui-là. Celui-là, il est fait dans une coopérative. Celui-là, il est fait dans une plus grande entreprise de Douro. C'était la Real Famille du Douro. Il sert, il est moins sec, moins doux. Il est dans le milieu. D'accord. Et j'espère que ça vous va plus. Je vous remercie beaucoup. Nous prenons notre petit repas du midi à la sortie du musée avec une vue magnifique. Je ne sais pas si vous allez beaucoup m'entendre parce qu'il y a beaucoup de vent, mais je voulais vous montrer où on a passé l'après-midi devant le musée du Douro. Et les couleurs ont complètement changé depuis ce midi. Afin d'aider Gina et Françoise à récolter des fonds pour des enfants sans cancer, envoyez vos dons grâce au lien dans le descriptif.